Bonjour, l'Amicale Loisirs Seniors de Paris 10e est heureuse de vous présenter une séance de nos causeries cinéma grâce à la collaboration de Paris Anime Château Landon qui nous héberge et dont le plateau technique de Web TV va permettre une diffusion prochaine sur la plateforme Twitch. Pour vous présenter ces causeries cinéma, je passe la parole à Catherine Lassus, précédente animatrice du groupe, qui va nous expliquer depuis quand ces causeries existent, qui y participe et quelle est la règle du jeu. Alors, ces causeries existent depuis plus de 20 ans. Moi, je les ai animées pendant une bonne vingtaine d'années. Et dans le cadre de la mutuelle qui nous réunissait et qui a choisi malheureusement de mettre fin aux activités du club des retraités. Et donc maintenant, nous sommes hébergés ici avec beaucoup de plaisir et ça se passe très bien. Le principe de la causerie cinéma, c'est que nous nous réunissons pour parler des films qui sont sortis au cours de la semaine précédente. Et nous pouvons voir beaucoup de films grâce aux cartes d'abonnement annuelles qui, pour le prix d'une vingtaine d'euros, un peu plus de 20 euros par mois, nous permettent d'aller voir des films à volonté. Donc ça, c'est important de le savoir pour tous ceux qui verront ce film. Ça peut leur donner des idées. Le principe, c'est donc de parler des films qu'on a vus. Et j'ai toujours insisté, pendant toutes les années où j'ai animé cette activité, sur l'aspect causerie, c'est-à-dire le côté convivial, joyeux si c'est possible, très spontané, où éventuellement on peut se disputer, on peut rire, on peut faire tout ce qu'on veut, où on parle des films sérieusement, mais sans esprit de sérieux. Et ça continue. Merci Catherine. Donc avant de commencer la séance, nous allons nous présenter. Ici aujourd'hui, nous sommes 12 présents. En principe, on est à peu près 17-18 inscrits. Mais bon, jamais tous ensemble forcément. Donc les gens vont se présenter, nos collègues vont se présenter rapidement avant d'attaquer les films de la semaine. Alors, je m'appelle Jean-Michel et je participe à la causerie cinéma depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà. À toi. Bon, je m'appelle Marc-François, je participe aussi à la causerie cinéma depuis à peu près 8 ans. Et donc, elles m'ont beaucoup apporté au niveau personnalité, au niveau réflexion sur la société, puis les échanges entre les amis. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Irène. Enfin, je viens depuis moins longtemps, je ne sais plus combien de temps. Et je viens surtout entendre mes amis beaucoup plus cinéphiles que moi. Je m'appelle Jeanne. Moi, je viens depuis un an. Et j'ai beaucoup de plaisir à écouter les avis différents sur les films que je vois. Brigitte, je suis nouvelle aussi et j'aime bien venir ici pour avoir donc l'avis de chacun et finalement je fais que je mets comme ma tête. Je n'écoute pas toujours les avis. C'est le principe. Alors, moi je m'appelle Jacqueline et je viens ici je crois depuis 4 ans, je suis plus sûre. Ça m'a beaucoup plu, c'est quand on a fermé le club. Bon, j'ai fait une année au club et après ici. Oui. Donc Françoise, moi j'y suis depuis à peu près depuis 2013, donc ça va faire 6 ans. Et fidèle, parce que je suis passionnée. Et aussi ça me donne vraiment la force d'aller au cinéma. J'y vais souvent seule. Et j'apprécie beaucoup. Je m'appelle Claudette, je suis une des plus anciennes avec Catherine, donc peut-être plus de 15 ans. Oui. Et j'apprécie comme toutes les autres la rencontre du lundi. Je m'appelle Michel, je participe à ce club, à ces séances depuis 8 ans. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les avis différents sur le même film. Voilà. On n'a pas toujours vu le même film. Alors, je m'appelle Yvonne. Donc, moi, je viens depuis presque 10 ans. Et comme Michel et comme beaucoup d'autres, ce que j'apprécie, ce sont les avis divergents qui sont un petit peu parfois, qui amènent à des disputes un petit peu violentes, mais toujours très sympathiques.
Donne ton nom. Je m'appelle Catherine et donc moi je viens depuis plus de 20 ans. Mais la causerie existait déjà avant que j'en sois l'animatrice. Donc, moi c'est Geneviève et moi je suis ravie de pouvoir, je suis finalement récente, j'ai dû attendre d'abord d'être à la retraite, puis ensuite il y a eu le Covid. Et donc tout a repris maintenant et j'en suis ravie. Pour moi le lundi c'est une de mes activités de bénévole que je préfère parce que j'adore le cinéma. Donc nous allons maintenant attaquer le vif du sujet, les films qui sont sortis mercredi, et c'est Jean-Michel qui va faire l'appel, si je puis dire, des films. Voilà. Mmh. Eh bien, on va commencer par La beauté du geste, Danse et éternité. C'est un film français de Xavier de Lausanne qui dure 1h30. Un film sur les danseuses cambodgiennes et du Ballet Royal. Est-ce que quelqu'un l'a vu ? Oui, parce que je suis la seule. J'ai l'impression, mais... Alors, si je suis la seule, je vais faire un petit résumé. Mmh. D'abord, allez le voir sur grand écran. C'est un documentaire que moi j'ai trouvé formidable, parce que c'est vraiment un grand documentariste. Il a déjà été fait des documentaires à Rakhine et tout. Et là, il prend l'histoire du Ballet Royal, qui est un prince du Cambodge, avait fondé, et ça va de 1906 à nos jours, puisque ce ballet continue, à travers tous les personnages qui l'ont animé, la fille du roi Sihanouk, et ainsi de suite. C'est pas du folklorique, c'est quelque chose de beau et de vraiment, je sais pas si c'est vraiment, on y retrouve tout l'hindouisme, toute l'Asie avec les pieds, la grâce de ces apsaras, parce que c'est les danseuses, on les appelle les apsaras, c'est des danseuses, c'est magnifique. Et alors, il y a la partie historique, depuis l'indépendance, donc 1953, oui. L'indépendance du Cambodge, l'histoire jusqu'en 70, paisible et tout, avec l'ordre de Tselouk. Puis la guerre civile, Khmer Rouge, compagnie, avec des témoignages. Donc je trouve que c'est vraiment un hymne à l'art, d'abord, culturel, à la culture qui reste, à la beauté du geste, c'est le geste que font les apsaras quand la fleur pousse, quand la fleur monte et quand la fleur tombe. Voilà. Donc moi, franchement... Donc tu le titre est extra, La beauté du geste. Donc tu le recommandes. Ah, moi je le recommande sur grand écran, c'est pas un film à voir à la télé. Ça se donne quand même dans 4 salles, donc je pense que ça va durer encore la semaine prochaine pour nous toutes qui ne l'avons pas vu. À l'Arlequin et au 7 Parnassien. Oui. Donc on va passer. Alors ensuite, Chronique de Téhéran, un film iranien de Ali Asghari et Ali Reza Khatami avec Bahram Arq, Argavan Chavani et Zarvin Zavessian. C'est un film qui dure 1h17, il n'est pas très long. Et donc c'est 9 chroniques qui durent 7, 8, 9 minutes à peu près en moyenne. Alors qui l'a vu ? Je suppose que pour blague, non, j'ai. Bon, très bien. Qui veut ouvrir le feu ? Alors ce sont 9 scènes de la vie ordinaire où des hommes et des femmes ordinaires, je tiens à le préciser, se trouvent confrontés à une administration ou à une autorité tatillonne. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, filmé par face caméra et en plan séquence, chacun d'entre eux s'adresse à un agent public ou à un interlocuteur anonyme qui est placé hors champ. On ne le voit pas, on ne voit pas la personne qui a dormi, dont on n'entend que la voix. Tout, en fait, pourrait se passer dans n'importe quel pays. Si on prend chaque scénette, un père vient déclarer son enfant à la mairie, une élève est convoquée par son proviseur, une femme conteste les contraventions, un homme répond à une offre d'emploi, un réalisateur demande une autorisation de tournage, et je pense que j'en ai oublié 2-3. Sauf que nous sommes en Iran, et le régime entend contrôler la vie des gens afin d'éradiquer tout esprit de résistance. Alors moi, c'est un film qui m'a énormément plu, parce que j'ai trouvé la suite de ces 9... Quand on prend une scénette d'une façon indépendante, c'est pas
Bon, c'est une petite histoire, mais il n'y a rien de dramatique. Mais lorsqu'on a mis les neuf scénettes bout à bout, on en sort complètement stressé. Voilà, je crois que c'est l'assemblage de ces neuf scénettes qui sont absolument intéressants. Et en fait, j'avais lu quelque part que dans la poésie perse, les phrases d'un poème perse pris d'une façon indépendante ne signifient pas forcément grand-chose. Et c'est l'assemblage de toutes les phrases qui donne un sens au poème. Et je crois qu'il a construit son film comme un poème perse. Alors, moi, je voudrais ajouter que ce n'est pas tout à fait ça. Les neuf séquences, pourquoi ? Parce que les réalisateurs n'ont pas eu l'autorisation de faire un long métrage. Donc, ils ont déposé un projet avec neuf courts-métrages qui a été accepté. Et puis, effectivement, ils ont rusé parce que l'assemblage, effectivement, est signifiant. Oui. Alors que chaque scénette, certaines sont presque comiques. Ah oui, 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 il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour. Et c'est l'ensemble qui donne l'idée générale de ce pays, finalement, qui contraint la population. Et ce montage est extraordinaire parce qu'en plus, ça m'a frappé, mais je ne l'ai réalisé qu'en sortant du film. C'est que, en fait, il y a un montage qui va de l'enfant qui vient d'être, la petite fille de 10 ans, on progresse en âge, l'adolescente au lycée, jusqu'à la vieille dame et le vieillard. Car la dernière scène, il n'y a pas d'interlocuteur. Mais moi, j'ai cru que c'était la personne qui leur posait la question, qui attend que quelqu'un vienne. Non, c'est le vieillard qui est le dernier. Il ne parle pas, il n'a plus d'interlocuteur. Et derrière, il y a un tremblement de terre. Oui. On voit la ville qui s'écroule. C'est la symbolique. Tout à fait. On ne doit pas avoir mis après. Ça me fait un film assez, j'allais dire, passéiste, parce qu'on montre toujours l'Iran sous cette forme répressive. Ben, c'est vrai aussi. Et il n'y avait rien dans le film. Ça fait depuis plus de 2 ans qu'il y a quand même une femme vie liberté. On voit quand même la petite fille. Jamais on a... Ça, c'est extraordinaire. Oui. Et l'ado qui réussit à se rebeller et à gagner contre l'interlocuteur. Moi, c'est... C'est ça qui... C'est ça qui m'a intéressée dans le film, c'est qu'à travers cette espèce de mur de l'administration, il y a les failles, et en fait, on se retrouve, on retrouve notre société aussi. Bon, par exemple, le MeToo, il existe encore, là-bas aussi, et la jeune fille qui se retrouve confrontée à cet employeur ne plie pas, elle s'en va. Elle ne dit pas oui, elle dit non. La petite fille, on sent qu'elle résistera. Bon, il y a quand même la jeune fille qui se retrouve face à son proviseur. Elle trouve le moyen de s'échapper, enfin de trouver la parade. Donc c'est vrai qu'on a cette problématique qui n'est pas encore tout à fait la nôtre. Mais nos agriculteurs, quand même, ont montré qu'on s'en approchait relativement pas mal. Mais c'est vrai que l'aspect aussi de l'administratif qui prend en charge ce que lui demande le supérieur hiérarchique, là, ça fait très mal au sein, je trouve. Enfin, ça fait mal au cœur, parce que finalement, ils sont les relais pas du tout passifs, les relais très actifs de ce qu'on leur demande, à travers leurs demandes. Ils pourraient très bien ne pas fonctionner exactement comme ils fonctionnent. Moi, c'est ça qui m'a frappée aussi. Moi, ce qui m'a frappée, c'est la douleur de ces gens. Oui. Ils subissent vraiment une vie absolument atroce. Et parce qu'il y en a un, on lui demande carrément de se déshabiller. Oui. Il cherche un emploi. Donc, il a juste... Et on veut voir ce qui est écrit parce qu'il a des tatouages. Et c'est vraiment, mais c'est humiliant, c'est un mépris. Et tous, même avec l'histoire du chien qui en est fait, qui ne l'est pas. Non. Moi, j'ai trouvé qu'il y a quand même un petit espoir du côté de l'interlocuteur qui finalement devient gentil, lui dit il finit par lui dire on a un chien. Oui. Ah, oui. Non, parce que le chien les en liquide, le chien n'arrête pas d'aboyer.
Donc, d'abord, il va leur donner. Il va s'en débarrasser, oui. Oui, mais voilà, au début, il lui dit non. Et après, il change de. Bah, parce qu'elle le remercie, elle lui dit qu'elle s'excuse de lui avoir dit non. Voilà, c'est horrible. C'est une vie horrible qu'on a. Bah, c'est ce que j'ai. Et toi, tu n'es pas d'accord? Non, mais c'est toujours ce. Côté. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il montre? Non, mais j'ai préféré ce que disait Yvonne, qui a vu quand même. Je pense que le but quand même des réalisateurs, c'est de démontrer cette espèce d'autoritarisme et de mainmise sur la population. Lui, c'est les auteurs, c'est ce qu'ils veulent démontrer de leur pays, et ça existe. D'autant oui, mais plus qu'il y en a un qui est réalisateur et qui finit son scénario et compris. Oui, il y a un des personnages, effectivement. Ah, j'ai bien aimé le moment où il scénario. Oui, ah oui, ça c'est super. Et puis à la fin, la qui est derrière le bureau lui dit qui pourrait prendre exemple encore. Oui. Là, ça fait petit. Oui. Il doit trouver un exemple qui démontre. Et il dit oui, mais pas celui-là. C'est-à-dire que. Oui, pas cette sourate. Pas cette sourate. Pas cette sourate. Donc, ils arrachent à leur sauce. Quoi. Bah, c'est-à-dire qu'en plus, la personne qui cherche du boulot et qui en demande de se déshabiller, on lui demande aussi, on vérifie qu'il connaît bien tous les rituels. Ça, c'est quand même très choquant. Oui, c'est quand même, on voit bien quelle est la société. Oui, là, ce passage, c'est pas le même chapitre, c'est un autre. C'est un autre. C'est une manière de parler qui touche à la sexualité dans cette histoire. Oui. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils luttent jusqu'à. Au maximum de ce qu'ils peuvent faire, sauf la fille qui gagne. Et lui, par exemple, ben, il est là comme ça, puis il lève le poing, il serre le poing quand même. C'est tout ce qu'il peut faire pour montrer ses tatouages, mais il le fait. Quoi. Oui. Et pour à propos du film qui est en petite chronique, vous vous souvenez, on avait vu Le diable n'existe pas, qui était en quatre parties, avec ces pauvres soldats du contingent qui étaient obligés de retirer le tabouret pour pendre les gens qui étaient soit coupables de crimes, soit coupables de pas grand-chose. Et bien, il racontait qu'il avait présenté en fait quatre morceaux. Parce que c'est des petits bouts, ils ne les regardent pas, ils disent ça ne va pas grand-chose. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Puis après, il a assemblé le clip comme l'avait fait l'autre réalisateur qui s'appelait Brassouf. Il y a aussi la fillette à qui on demande de contraindre de mettre le pour l'école. La tenue obligatoire pour l'école. Non, pas pour l'école, c'est pour une cérémonie particulière. À l'école. À l'école. Non, mais aussi la scène avec le permis de conduire. Oui, mais moi, ce qui me gêne beaucoup par rapport à ces neuf, ces net, c'est le personnage qu'on ne voit pas, la voix off, qui de fait accentue encore la mainmise, l'autoritarisme. Bon, ils ont un tout petit bout de pouvoir, ils en usent, mais ils en abusent. Oui, bien sûr. Donc moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus, très très violent par rapport au contenu. Bon, qui, comme disait Françoise tout à l'heure, bon, on le sait, on s'y attend, mais c'est la façon dont c'est traité et dont les relais sont montrés comme des relais très très zélés, très actifs. Non, mais le pire, en plus, tu parlais de sexualité, c'est quand même la jeune femme qui se présente pour un travail et à qui l'interlocuteur lui demande de plus en plus de se rapprocher, de demander, de dire si elle est mariée, si elle a un copain, si elle aime les filles. Oui, là, c'est terrible. Mais elle résiste. C'est pour ça que. Elle s'en va. Oui, elle s'en va. Non, mais elle n'a pas le travail. Ah, bah, c'est une situation internationale. Oui, oui. Ça, oui. Là-bas aussi. Oui, sauf que là-bas, on n'aurait pas dû lui poser ce genre de questions. Il finit par lui dire de venir s'asseoir. Oui, à côté d'elle, donc c'est bien, bien explicite. Mais toutes les filles ont un voile, vous avez vu quand même, on voit une bonne partie des... Tout le monde n'est pas en chador intégré. Quand elles vont voir l'administration, elles ne le mettent pas jusqu'au rendez-vous. Ça dépend parce que... Gardien de la Révolution, mais les autres... Moi, non, j'ai eu la chance d'aller dans un voyage à Téhéran en 2018. Il y avait effectivement les femmes qui étaient avec le truc qui était prêt à tomber.
Mais à côté de ça, il y avait les corbeaux noirs, complètement noirs, où on voyait intégralement qui étaient sur le, en train de se déplacer dans la ville. Hein. Mais il y avait aussi des femmes au volant de leur voiture. Enfin, je veux dire, bon, il y a un mélange. Pour finir, humoristiquement sur ce film, il m'est arrivé un truc presque identique. Moi, on m'a volé mon chien. On a coupé la laisse, on m'a volé mon chien. La police, elle n'a pas voulu accepter ma plainte. Ils ont refusé ma plainte. Ils ont dû se dire. Et à l'assistance animaux, ce jour-là, c'est invraisemblable. On m'a présenté le même jour un chien. On aurait dit que c'était son frère jumeau. On m'a dit que ça n'existait jamais, c'est le destin. On m'a présenté le même premier celui-là. Je dis, mais je n'ai pas celui-là que je veux. C'est le même. Il n'y a pas besoin d'aller si loin. Et moi, on a failli m'enlever Iron. Ah, oh, on aurait été triste. Mais j'étais à l'Iran, ça vous est arrivé? Non, à Paris. est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce film? Donc, là, c'est un film qui est tourné avec très très peu de moyens. Oui, et qu'il faut voir. Ils ont mis de leur argent. Hein. Évidemment, il n'y a pas de financement. Déjà, c'est miraculeux. Que... Ça se joue dans pas mal de salles. Ça joue à côté, là, en quelle scène. Je pense que c'est un film que les gens vont voir. Oui, moi, j'ai entendu beaucoup de critiques positives. Les critiques sont toutes positives. Donc, si... Ben non, il n'y a qu'une seule personne qui l'a pas vue, je crois. Là. Moi. Oui, il y a toi, Catherine. Deux personnes. Moi, non, et ben, vous y allez demain ou ce soir. Peut-être ce soir. Peut-être tout à l'heure. Donc, on va voir. On va poursuivre. Alors, le troisième film, c'est Dans la peau blanche de Blanche Houellebecq. Donc, c'est le troisième film de Denis Clou autour de Houellebecq. Il dure 1h28. Et c'est avec Blanche Gardin, Michel Houellebecq, Luc Schwartz, Franck Monnier et Françoise Lebrun. En Guadeloupe, Blanche Gardin préside un concours de sosie consacré à Michel Houellebecq. Michel s'y rend, mais des événements imprévus vont plonger notre duo au cœur d'une intrigue rocambolesque. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Oui. Ah ben voilà, alors. Mais je pense que ce serait bien, Jean-Michel, que tu lises la suite, ou alors je le lis. Ah ben d'accord, je vais le faire. Avec Dans la peau de Blanche Houellebecq, Guillaume Niclou conclut sa trilogie satirique dans laquelle il fait jouer l'écrivain Michel Houellebecq. Comme dans L'enlèvement de Michel Houellebecq et Talasso, le cinéaste veut entretenir le trouble entre les personnages et les personnes réelles. Ceci, dans un désir de stimuler le débat et les contradictions, sans jamais jouer le jeu ni de la diabolisation, ni d'une glorification quelconque. Seul le désir d'alimenter l'imaginaire en puisant dans l'actualité et l'intime de chacun est le moteur de ce film kaléidoscopique, explique Guillaume Niclou. Et là, enfin, moi qui l'ai vu, je pense que ce que le cinéaste dit de son film résume parfaitement. Moi, j'ai pris un plaisir énorme à le voir en voyant Blanche Gardin dire ce que Houellebecq aurait dit. Enfin bon, en voyant Houellebecq dans l'état dans lequel on l'imagine. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'au troisième degré, c'était un très, très grand plaisir. Parce qu'alors, il y a des horreurs qui sont dites, mais qui sont... Enfin, c'est un film génial. C'est vrai ? Voilà, oui. Moi aussi, j'ai adoré. Ah oui ? Ah oui, ben, j'ai vraiment... Je trouve qu'on n'arrête pas. Il y a tout le temps des scènes où on sort aussi. Il y a des choses, des réflexions aussi sur les relations entre les habitants de la Guadeloupe. Il y a sur le personnage de Houellebecq. Finalement, j'ai appris qu'il avait fait... Donc c'est un grand écrivain, on aime ou on n'aime pas, connu dans le monde entier, c'est un de nos grands écrivains. Il n'a pas fait que de romans, il a fait des poèmes, et maintenant il fait du cinéma. Et j'ai lu que finalement il avait fait une école de cinéma bien adulte, enfin pas au moment, pas comme étudiant et tout. Mais là, le scénario est très très bien monté, c'est hilarant et en même temps, il y a des pics, enfin des... Ah oui, oui. Et les acteurs formidables. Ah oui. Blanche Gardin et... Ah, Blanche Gardin, c'est Blanche Gardin. Elle est géniale, cette maman. Et vraiment, un rythme aussi. Un rythme, une musique. Et puis, ce dépaysement. On reprend Houellebecq avec l'histoire du tourisme. Hein, à la Guadeloupe, on y va, là, pour
faire un cirque de sosie ou du tourisme de trois jours, enfin voilà. Non, et il y a la population de là, va aussi, et qui parle créole. Oui, c'est riche. C'est riche et transgressif. Ouais, transgressif. Parce que tous les personnages, à un moment, on a l'impression qu'ils pètent quasiment les plombs. Bon, les Guadeloupéens traitent les Blancs de petits Blancs, ils ne mettent pas la clim pour qu'ils sentent bien la chaleur. C'est formidable. Mais est-ce qu'on voit beaucoup Houellebecq à l'écran? Ah, oui. Mais moi, je ne peux pas le voir. Moi, je me suis dit que je n'irais pas voir le film. Moi, j'aime bien Je ne peux pas supporter sa tête. Oui. Je ne peux pas. Et bien là, il y a une ironie, parce qu'on le fait comme un chien battu. Oui, oui. Et on l'entend, on ne l'entend quasiment pas, car c'est Blanche Gardin. Moi, je me suis dit, je n'irai jamais voir ce film, parce que je ne peux pas voir la tête de lui. C'est horrible. Mais c'est dommage. C'est aussi ça. Voilà. D'exagération de lui-même. Ah non, c'est physique, quoi. C'est vraiment une réaction physique. De soi-même. Et de rire aussi de ce qu'on a dit sur lui récemment. Oui, absolument. Mais c'est parfait. Non, on n'entre pas là-dedans, c'est pas du cinéma. Tu l'as vu. Le Télérama nous dit une farce anticoloniale aussi lucide que bidonnante. Tout à fait. Ça a l'air de bien résumer. Oui, et c'est très, très transgressif. Parce qu'on voit quand même tous ces personnages qui se prennent à corps perdu et en permanence quasiment de la drogue et de l'alcool. Donc c'est très, très, très transgressif, mais c'est jouissif. Quelqu'un avait vu l'enlèvement de Michel Houellebecq? Oui, oui, oui. Ça devait être Croquignolet aussi, sûrement. Oui. Moi, je n'étais pas allée le voir pour les mêmes raisons. Puis là, les seconds rôles sont tous formidables. Pierre, comment elle s'appelle, la femme? Et ça vous avait plu, la sauce? Moyen. Moi, je n'ai pas aimé. Alors ensuite, oui, un film péruvien en noir et blanc qui s'appelle Diogène. Qui dure 1h20, de Leonardo Barbu y la Torre, avec Gisela Yupa, Kleiner Yupa et Georges Pomou Canchari. Voilà. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Alors attends, je vais lire alors, à ce moment-là le résumé hein, pour tout le monde. Au milieu des Andes péruviennes, deux jeunes enfants, Sabina et Santiago, sont élevés dans un isolement total par leur père, un peintre spécialisé dans la tradition ancestrale des tablas des Sarva. Ce dernier échange ses œuvres contre des produits de première nécessité pour les siens, mais un jour, une série d'événements inattendus va bouleverser cette routine et amener Sabina à se confronter à son passé et à sa culture. Alors, vas-y. Oui, donc tout est joué quand elle passe à Michel. Mmh. Est-ce que je pourrais pas vous dire profondément, mais c'était un milieu très très pauvre, vraiment, c'était miséreux, voilà. Et donc on voyait par contre qu'il y avait des trucs ancestrales, c'est-à-dire les costumes des personnes, les costumes traditionnels, voilà. Enfin, c'est à voir quand même, parce que vraiment, c'est vraiment, on peut dire très pauvre, vraiment très... Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est confrontée à son passé? Alors on dit deux jeunes enfants. Là, je me rappelle. C'est peut-être le père. C'est peut-être le père qui est confronté. Voilà, amener Sabina à se confronter à son passé. Oui, c'est-à-dire que dans ce que je me souviens, c'est que le père, à un moment donné, il décède et donc la jeune fille doit aller vendre les tableaux, puis aussi les tablettes qu'il a créées pour avoir de quoi manger. C'est vraiment misérable, là, quand même. Mais c'est peut-être riche au niveau de l'ethnologie. Voilà. Et ça t'a plu, oui? Et tu le recommandes? Bah, tu t'es ennuyé. Non, je me suis pas ennuyé. Voilà. Mais on veut dire pour moi, c'est non, pour eux dans la salle. 120 minutes. Le non, 80. Ah, bah là, c'est marqué 120. Non, 1h20, pardon. Dans le Télérama, la mise en scène austère finit par créer trop de distance avec les personnages. Oui, c'est-à-dire, ça fait. Enfin, il faut s'accrocher. Oui, voilà, ça s'accrocher. Ça s'en
faut être intéressé par le monde des Andes. Hein. Après, oui, pour ceux qui s'intéressent, ça doit être passionnant. On était assez nombreux, en plus, avec une taille de jouets. Oui, bah, oui. Il y avait tous les Péloviens de Paris. Déjà, ça fait déjà du bon. Alors, du coup, on va continuer. Ben oui, on va continuer avec Heureux Gagnant, un film français de Maxime Govard, Romain Chauet, avec Audrey Lamy, Fabrice Eboué, Anouk Grabert, Pauline Clément et Louise Coldefy. Il dure 1h43 et c'est une comédie. Une chance sur 19 millions, plus de probabilité d'être frappé par une météorite que de gagner au loto. Pour nos heureux gagnants, le rêve va rapidement se transformer en cauchemar et leur vie va voler en éclats dans un spectaculaire feu d'artifice de comédie noire et de sensations fortes. Qui l'a vu ? Moi. Elle a tout vu. C'est-à-dire, là, ça pose un problème du jeu d'une manière générale et donc... Le jeu, c'est aussi bien que le sport, enfin voilà. Et donc, ça montre ce qu'on disait un peu avec Fred, c'est que dans le jeu, c'est une micro-société, c'est-à-dire qu'il y a des gens bons qui partageront. Là, dans le film, par exemple, il y en a un qui se retrouve en prison, elle est prisonnière, sachant qu'il a gagné. Il lui demande une certaine somme d'argent qu'ils devront lui verser. Donc, c'est l'amour qui triomphe parce que la femme, elle renonce. Elle donne cet argent et donc, voilà. Mais donc, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est drôle parce qu'on voit des situations assez cocasses. Et d'une manière générale, ça fait la problématique du jeu. Donc, voilà. Mais c'est comme autre chose, ça peut être un sport, ça peut être le cinéma. Non, faut justement pas que ça devienne une addiction, bah oui, c'est tout ce qu'il faut, voilà. Ah, le Télérama est très sévère, hein. On oui, a un humour grinçant qui se perd dans une surcharge de gag indigeste. Peut-être. Bon, t'as tenu jusqu'au bout, donc on attendra la télé, peut-être. Voilà. Alors ensuite, donc, le film que 5 millions d'Italiens ont vu. Le film. Il reste encore demain. Il est en noir et blanc. Il dure 1h58. Donc la réalisatrice, c'est Paola Cortellesi, qui joue aussi le rôle principal, avec Valerio Mastandrea, Romano Vergano et Emanuela Fanelli. Donc tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Alors je vais vous lire le résumé. Comédie dramatique, mariée à Ivano, Delia, mère de 3 enfants, vit à Rome dans la seconde moitié des années 1940. La ville est alors partagée entre l'espoir né de la libération et les difficultés matérielles engendrées par la guerre qui vient à peine de s'achever. Face à son mari autoritaire et violent, Delia ne trouve du réconfort qu'auprès de son amie Marisa, avec qui elle partage des moments de légèreté et des confidences intimes. Leur routine morose prend fin au printemps, lorsque toute la famille en émoi s'apprête à célébrer les fiançailles imminentes de leur fille aînée Marcella. Mais l'arrivée d'une lettre mystérieuse va tout bouleverser et pousser Delia à trouver le courage d'imaginer un avenir meilleur, et pas seulement pour elle-même. Voilà. Alors, moi, je crois qu'il ne faut pas dire, comme on dit les filles, il ne faut pas raconter... La fin. Ah non, il faut pas dire. Remarquable, admirable. Oui. Les 20 dernières minutes, il ne faut pas qu'on en parle. Non. Mais pourquoi j'allais le dire. Surtout ne pas raconter. Mais tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Est-ce que je peux. Alors, le film a eu énormément de succès en Italie. 5 millions. Beaucoup moins chez nous. Et pourquoi il a eu du succès en Italie? Oui, parce que je veux dire qu'il tombait à pic, si je peux dire ainsi. Il sort deux semaines avant que le pays soit complètement traumatisé par le féminicide. Alors moi, je dis Giulia Cecchetti, d'accord, qui retrouve 22 ans, dont le corps a été retrouvé l'armée de coups de couteau. Mm-hmm. C'est son petit ami, Filippo Turetta,
qu'il aimait beaucoup. Il était soupçonné de l'avoir tué. Alors il est parti en Allemagne, enfin bon, ça a été toute une affaire. Et tout le pays a été. Moi aussi. Le film est tombé juste au moment où, tout le pays s'est réveillé. Deux semaines avant, ça lui a donné. Voilà. Ça, bon, pourquoi ? Parce qu'en fait, le mouvement MeToo n'avait pas vraiment pris. N'avait pas pris effet en Italie. Et puis, en Italie, c'est un pays quand même très catholique. Le patriarcat n'est pas tellement remis en question. Et le film a déclenché quand même une prise de conscience. Ah ben, je comprends. Voilà. Non, moi non plus. Allez le voir sans vous en révéler la fin. Non, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on parle de la fin? Je ne comprends pas. Mais tout le monde l'a vu. Non, mais qui ne l'a pas vu? Ben si, si. Il n'y a que toi qui ne l'as pas vu? Ben je ne sais pas, parce que c'était... Mais même si... On s'en fout de la fin. Même si vous me racontez la fin, vous l'avez toute vue, moi ça ne me gêne pas. Oui, bon, c'est bien, parce que la fin... Mais non, mais la fin, elle est nulle. La fin, elle est nulle. Alors, je vous propose de parler de la fin. La fin. Puisque vous la... Ben oui. Mais la fin n'a aucun rapport... La fin n'a aucun rapport avec le film. Ben ça, mais non, aucun rapport. Mais aucun rapport. C'est 45. Il y a aucun rapport. J'ai cru que je m'étais endormie un moment. Quand j'ai vu le cortège de femmes, je dis, mais toi, c'est le sort. Mais oui. Alors j'ai dit, j'ai dû dormir un petit peu. Mais justement, ce qui est extraordinaire, c'est que le film traite du comportement des hommes face aux femmes et cette violence que tout le monde connaît, la punition. Enfin, la soumission, elles n'ont pas le choix. Hein. Parce que sinon, elles sont trucidées. On a bien compris que si elles se rebellaient, on les tuait. C'est pour ça. Parce que là, ça va vraiment très loin. En Italie, quand le couple se réveille avec le monsieur, il commence c'est par la première scène du film. À sa femme. Ouais. Non, bah non, ah bah non, non, non. Non. Et tout le village le sait. Non. C'est un symbole, mais oui, c'est peut-être. C'est un symbole. Voilà. Donc, je voudrais finir en disant que justement, la force du film, c'est de commencer par nous montrer presque exclusivement cette violence faite aux femmes et le rôle et comment on les marie avec la fille. Et en fait, ça nous mène sur une fausse piste parce que on a une fausse piste. Qui ne se dévoile qu'à la fin. Et là, et ben voilà. Et moi j'aurais aimé que cette fausse scénario fournisse. Voilà. Et ça a été une grande déception. Voilà. Histoire d'élection. Moi aussi. Élection, piège à coups. Absolument. Non. Attends, parce que t'es une romantique, t'aurais voulu qu'elle parte. Voilà. Voilà. Mais c'est une romantique. Voilà. Ouais. Non mais écoute. C'est son côté militaire. Elle aurait voulu qu'elle parte avec le qui va à Milan dans le nord ou à Turin. Mais non, mais moi j'ai trouvé ça ridicule aussi. Oh, voilà. Vous voulez qu'elle parte avec le mécanicien. Ridicule, je n'entends pas. Laissons Jacqueline s'exprimer ou Jean-Michel. Jean-Michel. Elle rate son dimanche, mais elle réussit son lundi. Oui, alors, parce que les élections. Pour moi, la fausse piste dont tu parles, c'est qu'elle dit au mécano, sans en dire plus, je ne pensais pas que tu me le dirais par écrit. D'où l'équivoque sur la lettre, le papier, dont on croit que c'est quelque chose alors que c'est autre chose. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais je voulais savoir si vous avez compris la même chose. C'est ça ce que je croyais quand même. Oui, mais c'est justement ça. Moi, je trouve. À un moment donné, il y a un plan de coup où on le voit en train de faire ses bagages. Et elle aussi, de son côté. C'est ce qui est prévu. Elle ne prend pas une valise, par contre. C'est vraiment la force de cette femme d'avoir fait ce film. Magnifique, oui. Je trouve. Oui. Et alors, j'ai quand même des a priori. Elle a voulu faire un film selon le vieux néo-réalisme italien. Bon, quand elle est là avec la fumée, ça se passe avec le. Oui. Mais noir et blanc est très joli. Noir et blanc est très joli. En plus, il est en carré. Il est filmé en cadré en carré. Il est en noir et blanc. Après, c'est un peu lourdingue parfois parce que. C'est plus que lourdingue. Les scènes de hip-hop, je n'ai pas toujours compris. Moi, je trouve que ça affaiblit complètement le film. Non, parce que sinon, on serait tombé dans le misérabilisme. Alors que là, par exemple, la première danse qu'il lui donne. Voilà.
Eh ben, c'est vraiment une danse. Mais c'est honteux. Mais c'est honteux. Mais c'est honteux. Pourquoi c'est honteux? Parce qu'on ne peut pas représenter la violence, cette violence immonde, sous forme de danse. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, ça me fait vomir. Je crois que Irène voulait la parole depuis déjà un petit moment. Enfin, je dis seulement ce que je pense. Moi, je trouve que c'est caricatural et que ça affaiblit complètement. Absolument. Et voilà. J'ai même parlé pour le je trouve ça indigne. Indigne. C'est ridicule. Enfin, moi, bon, la reconstitution, ça m'intéresse bien, noir et blanc, la reconstitution. Oui, moi, ça me gêne pas non plus. Mais même, les, par exemple, les femmes dans la cour, on croirait un film mal doublé. Mais absolument. Mais on vivait pas. Mais on a déjà vu des films, je sais pas, il y a eu... Moi, par exemple, vous pensez à une journée particulière. Bah oui, oui, oui. Ça n'a rien à voir, une journée particulière. Ça se passe sous le fascisme. On peut exprimer les choses autrement. Et moi, je trouve que ce tango où moitié il la bat. C'est insupportable. Insupportable. Alors, il est de notoriété publique que quand un homme est violent avec sa femme, c'est parce qu'il aime. Il revient avec des fleurs. Oui, il revient pour s'excuser. Pourquoi elle reste si longtemps soit là, parce qu'il y a amour. Donc, cette histoire de tango. Je trouve que vraiment les commères dans la cour, c'est caricatural. Non, mais il n'y a pas du tout. Non, mais il n'y a pas du tout. Parce qu'il y a même une. Il y a une solidarité aussi. Moi, il y a une chose aussi que je voudrais dire, c'est le côté absolument. Parce que là, il y a quand même les Américains qui occupent. Hein. Alors justement, à propos d'Américains, ce jeune soldat noir. Lui, il a bien compris. Non, mais le jeune soldat noir, il a compris qu'elle était battue. Attends. Je peux te dire que la femme, elle n'est pas battue, hein, mais elle a exactement le même sort que l'autre. Et elle agressive non, comme ça. Je conteste pas, si tu veux, le sort. Je conteste la manière dont c'est montré. Moi aussi. Oui, voilà. Du soldat italien, du soldat américain. Moi, je voudrais comprendre comment la relation entre eux, déjà, ils n'arrivent pas à se parler. Parce qu'ils ne se comprennent pas. Bon. Non, mais ils progressent quand même. Oui, ils progressent. Ça dure un certain temps. Mais ce qu'on comprend quand même, c'est que c'est ce soldat qui fait sauter le marbre. Et pour sauver, pour que sa fille ne se parle pas. Ça, c'est d'accord. Mais comment qui lui a demandé. Mais vous ne trouvez pas ça complètement invraisemblable que quand ils ne sont même pas capables d'échanger trois mots, elle réussit à lui expliquer pourquoi. Il faut faire sauter le bar. Où est le bar? Il y va par hasard. Et alors, quel est le rapport entre le fait qu'elle soit battue et le fait qu'il fasse sauter un bar? Mais comment elle a réussi à le lui faire comprendre matériellement? Comment elle a réussi à le lui faire comprendre? Mais le cinéma, il doit être quand même un tout petit peu vraisemblable. C'est grotesque, c'est grotesque, c'est grotesque. C'est tout. C'est pas un film réaliste. C'est un voilà. Oui, donc il fait des petites choses comme ça. C'est un très mauvais film. C'est un très mauvais film. Très. Très mauvais. Ce que j'ai lu, c'était lamentable. Les scénettes en noir et blanc, ça faisait penser à des romans romans photos. Bien sûr. Oui, c'est ce qu'ils ont dans les milieux populaires. Regardez ce genre de trucs. Pas qu'en Italie, en France aussi. Non, c'est bien monté, c'est très bien monté. Mais non, c'est très mal monté, justement. Sans la montrer directement. Oui, ça, c'est pour ça le subterfuge de la danse et de la musique. Ça, c'est une bonne idée. C'est indigne. La musique aussi. Les romans aussi. Entièrement vu
Ah, ça, c'est très bien. C'est le seul, la seule scène que je trouve correcte. Tout est exagéré. Ça, lamentable. Ah, mais oui, mais alors... C'est l'Italie. Eh bien, moi, ça ne m'a pas plu. C'est l'Italie. Moi, je trouve qu'il y a des sujets avec lesquels on ne peut pas plaisanter. Je trouve que, justement, elle est plaisante. Mais si elle plaisante, je sais. Mais je vois bien que ça a touché les Italiens. C'est la population italienne. Oui, mais justement... Tous les jeunes, les lycéens, les collégiens, on les a tous emmenés. Et tu sais, alors, pour me conforter, moi, j'ai entendu la vérité qui rejoignait tout à fait ce que je disais et j'ai ressenti. Voilà, c'est ça. Mais jamais ça n'a été aussi bordélique qu'aujourd'hui. Parce que je m'attendais à vraiment avoir un chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre. Ah non. C'est pas un chef-d'œuvre. Ah non. Mais c'est un extraordinaire film. Non. Pour le sujet, le scénario est très bon. Alors, sans la mort de Torino, est-ce qu'elle serait partie ou pas? Mais on n'en sait rien. Quoi? Sans la mort de Torino, est-ce qu'elle serait partie ou pas? Non, parce qu'en fait, on a compris que ça l'est. Torino, ça n'avait rien à voir avec l'amour. Oui, mais moi, j'avais pas compris. Ben non, mais tu ne comprends qu'à la fin. C'est excellent. Tu ne comprends qu'à la fin. On comprend qu'à la fin. Oui, mais elle dit reste demain parce qu'elle a raté aujourd'hui. Elle aurait voulu partir. Ces femmes qui vont voter, elles sont quand même partie prenante. D'une évolution de ce qu'elles vivent à la maison. Et alors, à la fin. Mais par contre, à aucun moment, on a vu cette femme s'intéresser à la politique. Jamais. À rien. Exactement. Elle allait voter. Exactement. Je me demande comment elle l'a su. Mais non, parce qu'elle a foutu. Elle a reçu la lettre. Elle reçoit la lettre et elle la jette. Mais elle la jette à la poubelle immédiatement. Sa fille l'a ramassée. Non, mais je ne sais pas si ça va de sa fille. Elle l'a ramassée, pas elle. Oui, carte d'électeur. C'est là qu'on joue avec le spectateur qui croit que c'est autre chose. Quoi. Oui. Voilà. C'est ça qui est bien. Vous criez tellement qu'en fait, on ne comprend rien. Oui, voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique la lettre. Alors, elle reçoit une lettre au début du film qu'elle lit et qu'elle jette au demeurant. Bon. Et puis, nous, tout le long, elle rencontre, en faisant ses courses, elle rencontre un amour d'enfance. Oui. Qui lui dit qu'il va partir travailler. Donc, et nous, tout le temps, on a cette lettre qui se jette. Et puis, le dernier jour, elle, à la fin du film, elle la prend. Elle la prend et elle part. Nous, on croit que c'est pour retrouver son amoureux qui va prendre le train. D'autant non, il est déjà parti. Il partait la veille. Donc, on est maintenant le dimanche. Non, il y a la nuit. Domani, c'est dimanche. Oui. Il vote le samedi dimanche. Non, mais la lettre, c'est le jour. Alors, la lettre, elle la perd. Elle la perd. Et cette lettre, en fait, contient la carte d'électrice. Oui. Parce qu'on ne sait ça. Pas. Et c'est sa fille qui la trouve. C'est sa fille qui trouve la carte d'électrice. Et le mari aussi. Et le mari, d'abord. Et comme il voit que c'est... Il pense que c'est peut-être une lettre, effectivement, qui explique pourquoi elle est partie... Il ramasse et comme il voit ce que c'est, il le rejette. Et la fille, la fille qui allait se marier, pour lequel le mariage est rompu, prend la lettre et elle court et elle retrouve sa mère dans la queue, qui elle n'a plus pas le papier qui lui permettrait, et elle lui donne. Et on voit toutes ces femmes qui vont voter. Parce que c'est la première fois que qu'elles votent. Voilà, c'est ça. 1946. Mais c'est quand même, un film sur le miracle. Non, mais il y a quand même un miracle dans ce film. C'est que oui, mais attendez. Le miracle, c'est que quand elle a voté, qu'elle sort du bureau de vote, il y a son mari qui arrive, qui veut la ramener, lui foutre sur la figure comme d'habitude, et elle le regarde d'un regard. Et le mari, tout d'un coup, c'est un mouton. Eh bien, moi, je trouve que c'est miraculeux. Il y a 1000 femmes autour de lui. Et elles sont toutes solidaires. Non, mais c'est grotesque. Tu parles. Non, mais c'est ridicule. C'est ça qu'elle a mis.
rapport avec sa fille. Quand elle se rend compte que finalement sa fille va avoir la même vie qu'elle. Tout cet argent qu'elle a économisé en travaillant ça, à côté de magnifique. Son travail. Ça, c'est très émouvant. C'est extrêmement émouvant. Et elle va le lui donner pour qu'elle fasse des études. Mais c'est comme si elle partait. En fait, elle part pas. Mais on n'en sait rien. Ben non, on ne sait pas, c'est ouvert. C'est ouvert. C'est rapport avec sa fille va être aussi. Voilà, la et sa fille n'arrête pas de lui dire maman va. La libération, ça prend du temps. Oui, parce que la fille, elle a bien compris. Elle est triste quand le mariage est rompu, et grâce à la bombe. Faut bien le dire. Oui. Ah, ça, elle est miraculeuse. Il y a plusieurs miracles. Oui. Oui. C'est miracle vivant, ça. Oui. Non, mais cette bombe miraculeuse, c'est tellement ridicule. C'est normal parce qu'en même temps, c'est une démonstration. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut le prendre comme un conte. Oui. Voilà. Quand il la tabasse, c'est pas vraiment un conte. Hein. Non, mais c'est pas réaliste. Non, pas du tout. Et le spectateur elle a pas est choisi son deux camp. Fois. Oui. La première fois, oui. Parce que quand la dame lui donne le courrier, la confirme, oui. Je ne sais pas ce que c'est, elle lui dit bah, c'est une facture, ce n'est pas pour moi. Elle dit non, c'est pour vous. Et il vaut mieux que ce soit à vous que je la donne. Sous-entendu, ça ne plaira pas à votre mari. Donc ça doit être une lettre personnelle, alors que c'est tout simplement la carte d'électeur. Et la deuxième fois, c'est qu'elle dit au mécanicien, eh ben, je ne pensais pas que tu me le dirais par écrit. Donc on pense qu'elle lui a écrit une lettre, alors que apparemment c'est pas ça. Peut-être, mais en tout cas, on n'en sait rien. L'histoire, elle est ouverte, oui, parce qu'elle n'est pas tellement intéressante. Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'elle va voter. Que c'est... Mais oui, on se demande comment on peut être. Oui, mais. À part penser à aller voter. Est-ce qu'elle savait que ça existe? Mais je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Elle croyait qu'il y avait une queue. Les premières femmes qui ont été votées, je ne sais pas si elles avaient tellement une éducation politique. C'était un nouveau droit. Il y avait les suffragettes quand même qui avaient ouvert le chemin. Il y avait oui. Un film génial que j'avais vu. Sur les suffragettes, c'était autre chose. Parce qu'elles ont tout de suite eu le droit de vote. Et vous avez vu, elles y vont toutes. La dame qui tient la boutique de vêtements et de sous-vêtements, elle s'était toute belle. Même l'autre, tout le monde s'est fait bon. Et tout le monde enlève le rouge à lèvres parce qu'on leur dit que ça peut être un cas d'annulation. Moi, je sais que la première fois qu'une femme a eu le droit de vote en France, ma mère m'a emmenée à la mairie. Je pense que toutes les femmes étaient concernées. Oui. Et absolument concernées. Oui, mais elles étaient concernées. On n'a pas besoin de faire de la politique. Vous avez pensé qu'elle était concernée, elle. Ben, moi, je pense qu'elle était concernée et qu'elle. Apparemment, cette femme n'est pas. Cette femme n'est pas idiote. C'est une femme qui est intelligente, qui a quand même. Qui voyait beaucoup de choses, mais qui, à la maison, essayait d'avoir le moins de coups possible. 21 avril 44. Voilà. 44. Ah, 44, je sais, c'est 44. Alors, je suis fin de la guerre. Oui, ta mère a suivi. En tout cas, moi, je trouve que c'est un très beau film. C'est joli, mais. Et qu'il est très pédagogique. Oui. Non, c'est pas possible. Moi, je trouve. Il est très bien monté. La musique aussi, à la fin, c'est formidable. La musique américaine. C'est un film pédagogique. Je sais que c'est 44. Dans l'émission, vous m'avez fait connaître. Alors, avec ses outrances. Oui, dans l'émission, vous m'avez fait connaître Honora Toulouse. Ils ont dit femme mariée, trois enfants, mari violent. L'être qu'on attend qui fait espérer un avenir meilleur, malaise, misérabilisme social, misérabilisme conjugal, suspense, final, film complètement raté. Et le masque et la plume a dit qu'il était raté aussi d'ailleurs. C'est raté. Hier, il y en avait deux pour et deux contre.
au masquer la plume. Parce qu'on a des points de vue différents. Oui, nous allons. Parce que là, je ne sais pas si les auditeurs vont comprendre quelque chose. Ils vont comprendre qu'on est passionnés. Voilà. C'est déjà ça. Une dernière chose. Alors, il reste encore demain parce qu'il vote sur deux jours. Et oui, samedi, dimanche. Moi, j'ai compris. Il reste encore demain. J'ai raté la possibilité de départ pour une nouvelle vie, mais il me reste. Oui, il y avait deux jours de vote. Maman, elle la prononce, cette phrase. Oui, elle dit, il reste encore demain. Moi, je ne me souviens plus pourquoi. Pour partir avec le gars. Là, non, parce qu'il est déjà parti. Qu'elle peut aller voter, mais qu'elle a raté la veille où elle pouvait partir avec le gars. Oui, mais moi aussi, tu peux le comprendre comme ça au départ, puisqu'on ne sait pas que c'est une histoire de vote. Je trouve que c'est un film très maladroit. Il n'y avait qu'un titre Télérama aussi. Oui, quand on passe, c'est mauvais, ils mettent un titre. C'est quand même curieux parce que c'est un film féministe. Or, le féministe a le vent en poupe, et là, d'un seul coup, il y a pas mal de critiques qui lui tombent dessus. C'est curieux. Mais parce que c'est mal fait. C'est du mauvais cinéma. Non. Le sujet est intéressant, mais c'est du mauvais cinéma. Allez. On reprend. Alors, on c'est tout. Et calmement, si possible. Un film chilien qui s'appelle Miss Hermanos de Claudia Huequimila avec Ivan Cáceres, César Herrera et Paulina Garcia. C'est un drame. Est-ce que quelqu'un l'a vu ? Non. Alors, on va le sauter. Alors, sautons-le. Ensuite, alors, nommé, je pense, un film. Alors, Angola, Portugal, France, Guinée-Bissau de Sana Nada. Il fait 1h52 avec Marcelino Ingira, Binet Undonk et Marta Dabo. Est-ce que quelqu'un l'a C'est un drame. Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Alors, je vais vous lire. Guinée-Bissau, 1969. Une guerre violente oppose l'armée coloniale portugaise aux guérilleros du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Nommé quitte son village et rejoint le maquis. Après des années, il rentrera en héros, mais la liesse laissera bientôt la place à l'amertume et au cynisme. Alors. En deux mots, donc le metteur en scène, il a fait la révolution, enfin, acteur aussi, lui. Et on part d'un village, et les hommes vont faire la guerre de libération jusqu'à 1974, où là, le Portugal, les œillets, etc., leur donne l'indépendance. Et alors, entre beauté et scène dans la jungle, enfin, de guérilla, etc., moi, j'y admirais surtout la beauté des Guinées. Je ne connaissais pas la Guinée, mais ils ont une... Enfin, là, je ne sais pas comment ils filment, mais c'est plus beau que les masques, enfin, et tout, vraiment. Et puis, c'est intéressant parce que c'est les femmes qui restent et l'homme qui part et qui va revenir ou pas et la vie au village de ceux qui... Enfin, c'est la guerre, quoi, de l'indépendance. Enfin, c'est une révolution, là. Et c'est très intéressant, moi, et surtout très beau et cinématographique. Et j'en ai beaucoup appris sur... Parce qu'après, une fois que ça se termine, ils vont à Bissau, la capitale. Et là, et ben, c'est comme l'après-guerre en 1946 en Italie, ça va être... Corruption, machin, mafia, chantage pour les grands bateaux à qui on prend des containers, etc. Et voilà. Donc il y a une époque révolutionnaire, j'allais dire mythique, il y a une forte, très forte, une cohésion entre les hommes et tout. Et puis il y a la suite, l'après-guerre, enfin l'après-révolution. C'est très bien fait. J'ai beaucoup appris. Deux salles seulement. Beauté des têtes. Trois Télérama. Un film hypnotique et cruel, dit voilà. Télérama. Hypnotique par la beauté. Moi, je pensais au Peul Borro, etc. Ou tout, mais là, ils sont les Guinéens, enfin bon, les gens du Cap-Vert et tout. Je sais pas, ils sont très bons. À voir s'il reste la semaine prochaine, parce que deux salles. Il y avait du monde. Oui. Il y a deux salles. C'est des petites salles, c'est pas un genre de mec. Alors, on peut passer peut-être au film suivant. Alors, La Nouvelle Femme, un film franco-italien de Léa Todorov avec Leila Becchi, et Jasmine Trinca, Raphaël Esposito et Nancy Houston. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû le voir, non ? Oui,
Brigitte aussi, là-bas, d'accord. Alors, donc, tu peux lire le... Oui, donc c'est un drame. En 1900, Lily Dallangy, célèbre courtisane parisienne, a un secret honteux, sa fille Tina, née avec un handicap. Peu disposée à s'occuper d'une enfant qui menace sa carrière, elle décide de quitter Paris pour Rome. Elle y fait la connaissance de Maria Montessori, une femme médecin qui développe une méthode d'apprentissage révolutionnaire pour les enfants qu'on appelle alors déficients. Mais Maria cache elle aussi un secret, un enfant né hors mariage. Ensemble, les deux femmes vont s'entraider pour gagner leur place dans ce monde d'hommes et écrire l'histoire. Voilà. Donc ça se passe en 1900. 1900, début du siècle. Alors, qui veut commencer à en parler? Moi, je veux bien. Ben moi, je suis d'accord avec, Yvonne qui disait tout à l'heure que ce qui se passait à Téhéran, ça avait aussi des rapports avec notre société. Moi, je pense que dans notre société, enfin, au niveau de Maria Montessori, notamment en école maternelle, on ne tient pas assez compte de la personnalité de l'enfant. Et actuellement, dans le peu de choses que je sais lire sur Google, les assistantes maternelles, on les recrute sans diplôme. Et donc, Maria Montessori, je ne perds pas le nom, Maria Montessori, c'est la politique de la méthode active de la participation des enfants et reconnaître la valeur de l'enfant en tant que, au lieu de leur mettre des habits tous pareils pour combattre l'inégalité des chances. C'est mieux de s'intéresser à chaque enfant et à faire suivant sa personnalité. Donc voilà, donc le film m'a bien plu et donc voilà. Et donc au niveau des enfants, donc les enfants, ce sont des enfants handicapés. Donc, j'ai lu, j'avais pris des notes. Et donc ils répondent bien aux demandes d'action. Comment de, voilà. Voilà. Et donc, c'est toute une... Enfin, voilà, moi... Toi, tu t'es intéressée plutôt à la méthode pédagogique. Moi, je suis intéressée à la femme, qui a été une des premières diplômées en Italie. Et c'est surtout, je trouvais que le film parlait de son combat personnel pour pouvoir, disons, s'imposer dans un monde d'hommes. Comme femme et comme mère. Oui, comme femme et comme mère, voilà. J'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que je ne connaissais pas cette histoire où elle avait dû sacrifier sa vie de mère pour pouvoir continuer sa profession. Mais donc, après, on peut ça entraîne. Parce qu'en fait, le psychiatre dont elle était amoureuse aurait pu, si elle s'était mariée avec lui, donc c'est avec lui qu'elle avait eu cet enfant, lui interdire de travailler après le mariage. Et c'est pour ça qu'elle a refusé. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu se marier. Mais oui, c'est ça. J'ai vu la bande-annonce et je me posais la question justement. Elle n'a pas voulu se marier parce que dans la loi italienne, c'était lui qui était. Elle l'empêchait d'aller travailler. Donc, comme son père, elle avait déjà eu le problème avec son père qui n'avait pas été d'accord pour qu'elle fasse des études. Et en plus de ça, elle travaillait, elle n'était pas payée. Elle n'était pas payée par l'institution. C'est bénévolat. Voilà, elle était en bénévolat. Donc, si elle avait accepté ce mariage, eh bien, elle n'aurait jamais pu, il n'aurait jamais accepté qu'elle aille travailler. Donc, ça, elle le savait. Mais il me semble que dans ce que j'avais dit de pris comme note, qu'elle n'aurait pas eu Maria Montessori, qu'elle n'aurait pas eu, comme c'est marqué dans l'histoire ou dans le compte rendu, d'enfant anormal, elle, personnellement. Non, mais on n'a jamais dit qu'elle a un enfant anormal. Si, si, ça s'est dit qu'elle a un enfant anormal. Non, mais pas dans le film. On t'a déjà dit. Pas dans le film. Dans le film, l'enfant est tout à fait normal. Et après, il y a à la fin du film, on dit que je crois qu'à l'âge de 14 ans, il s'est rapproché de sa mère et voilà. Il n'a jamais pu quitter. Non, voilà, elle a eu quand même 12 ans de séparation de son enfant. Oui, mais bon, c'est un choix qu'elle a fait, je dirais. Elle s'est dit que, bon, il est quand même chez son père. Hein. Donc, elle est courageuse à la fois comme femme, comme mère, oui, au niveau de la profession. Oui. Hein. Il ne l'a certainement pas empêché de le voir. Je ne pense pas que le psychiatre ait empêché
Madame Montessori de voir son enfant. Mmh. Je pense qu'elle ne l'avait pas. Elle l'a vu rarement. Elle l'a vu rarement, mais il y avait le lien, quoi. Elle a gardé le lien avec l'enfant. Mmh. Voilà. Mais elle a continué dans sa profession. Dans la vraie histoire, dans la fin, elle a en fait toute la fin de sa vie, son fils, il a fait toutes les écoles avec elle. Voilà, c'est ça. Mmh. Donc, elle a eu son fils après. Il n'était pas rancunier. Pardon ? Il n'était pas rancunier. Pourquoi il aurait été ? Bah, je sais pas. Il a dû comprendre. Bah oui, quand même. Mais il a dû en souffrir quand même. Alors, dans le commentaire, ils disent entre 1922 et 1932, rappelé en Italie par le ministère de l'Éducation fasciste pour transformer en profondeur le système éducatif italien en vue de fabriquer l'homme nouveau, elle avait trouvé dans le fascisme une opportunité de répandre sa méthode. C'est ce qu'on lui a un peu reproché après. Oui, ça a dû lui causer quelques problèmes. On reproche beaucoup de choses aux écoles Montessori maintenant aussi. Oui, parce qu'il n'y a pas de label, ni tout le monde peut, vous et moi, on peut tous créer une école Montessori. Ah oui, c'est vrai. Oui, absolument. Je ne savais pas. Si. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune garantie, et d'une école à l'autre, d'un quartier à l'autre, ce n'est pas du tout la même technique d'enseignement, puisqu'il n'y a pas un dépôt, elle n'a pas malheureusement labellisé, si je puis dire, aujourd'hui on dirait d'une manière générale, déposé un cadre, il n'y a pas de cadre fixe, il n'y a pas, du coup, il n'y a pas de royalties sans doute pour les descendants, etc. Il n'y a pas de rapport avec l'éducation nationale. Non, c'est complètement privé et c'est pas reconnu. Là, Geneviève, je t'arrête un tout petit peu parce que les écoles Montessori fonctionnent encore avec le matériel Montessori. Oui, oui, oui. Donc, quand tu dis qu'il n'y a pas de royalty pour les descendants, si, sans doute pour le matériel, et oui, c'est paradoxal parce que bon, il y a des écoles où ils utilisent du matériel beaucoup plus contemporain, je dirais, mais il y a des écoles qui fonctionnent encore. C'est comme si les écoles Freinet continuaient à fonctionner avec uniquement l'imprimerie d'origine. Voilà. Mais bon, parce que le petit élève que j'ai en soutien, sa maman vient d'acheter le livre de maths Montessori, méthode Montessori du CM1. Ben donc, oui. Effectivement, il y a des gens qui touchent de l'argent. Avec mais bon, on fonctionne aussi à la mode, hein, mais c'est vrai qu'actuellement, toutes ces écoles sont quand même un peu mises en cause à cause de dérives sectaires. Les écoles Steiner, par exemple, qui ont eu une cote aussi forte que les écoles Montessori, sont un peu attaquées. Il y a de la polémique maintenant. Oui. Bon, Martine, tu veux rajouter quelque chose? Brigitte, pardon, tu veux rajouter quelque chose? Vous le recommandez, ceux qui l'ont vu? Oui, je recommande. Bon, c'est pas un grand, mais c'est... Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant, voilà. Et puis, c'est un film en costume d'époque. Oui. C'est très beau. Il y a des jolies choses. Pendamment, ça donne envie sur le plan visuel. Voilà. D'accord. Alors ensuite, Les Rois de la Piste, film français de Thierry Cliffa avec Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz, Laetitia Doche, Nicolas Duvauchel, Ben Attal et Michel Villermeau. Comédie dramatique. Est-ce que quelqu'un l'a vu ? Non. Non, pas encore, mais j'ai bien envie. Oui, par Le Masque et la Plume. J'ai très envie. On conseille Du Masque et la Plume. Dans la fin. Bah, oui, c'est vrai que le casting est attrayant. Et puis le thème a l'air assez... Puis le thème aussi, oui. Rigolo. Puis voir Fanny Ardant en chef de gang, c'est pas mal quand même. Rien que ça, c'est un petit oignon. C'est plus joli à voir que oui, avec pleine d'élégance, de fantaisie et d'amour du cinéma. Ouais, ça donne envie. Je pensais que quelqu'un allait le voir. Moi, j'ai failli le voir hier, mais je suis allée au MK2 Nation. Il n'y avait plus de place. C'était zéro place. Forcément, avec le casting plus comédie. Pourtant, il était bien desservi quand même. Oui, oui. Alors, du coup, on va passer en se disant que peut-être... Voilà. Scandaleusement vôtre, Royaume-Uni, de Thea Sharrock avec Olivia Colman, Jessie Buckley, Angela Bazin et Joanna Scanlan. Et Gemma Jones, oui. Et alors, tu dis aussi Malaki Tirmi. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont vu. Donc, tu peux nous lire. Bon. Le... Alors, ça dure 1h41 et c'est une comédie dramatique. Littlehampton, 1920.
Lorsqu'Edith Swann commence à recevoir des lettres anonymes truffées d'injures, Rose Gooding, sa voisine irlandaise à l'esprit libre et au langage fleuri, est rapidement accusée des crimes. Toute la petite ville concernée par cette affaire s'en mêle. L'officière de police Gladys Moss, rapidement suivie par les femmes de la ville, mène alors sa propre enquête. Elle soupçonne que quelque chose cloche et que Rose pourrait ne pas être la véritable coupable, victime des mœurs abusives de son époque. Alors, qui veut commencer à en parler? C'est d'après une histoire vraie. Hein. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est une histoire vraie, alors que c'est une histoire absolument extraordinaire. Alors, qui veut en parler en premier? Alors, c'est un film de femmes, fait par une femme. L'équipe technique, ce sont des femmes, ça surprend beaucoup. La musique, bien sûr, c'est une femme. Plus beaucoup, maintenant. Oh, mais que des femmes, non. Ah, il y en a déjà eu d'autres. Je ne saurais pas citer de titre, mais... C'est rare, quand même. Enfin, bon, je ça arrive. Là, c'est un choix. Alors, moi, le résultat ne m'a pas du tout emballé. Ah bon? Ah, c'est pas possible. Alors, je pensais que j'allais m'amuser, j'avais des trucs qui m'avaient plombé, donc je me suis dit, je vais aller m'amuser un peu. Eh bien, je n'ai pas réussi. C'est pas possible. C'est la méchanceté, la vilainie humaine dans... Ah dans mais tu... Monsieur. On la laisse parler. Ben bah, oui. Et... T'as pas de recul? Comment? T'as pas de recul? Attends, laisse-la parler. Alors, laisse-la finir. C'est vraiment des personnages, mais... enfin, deux ou trois personnages absolument abjects qui aiment se faire du mal, quoi. C'est horrible. Voilà. Mais non, pas du tout. Mais pas du tout. Vas-y, Catherine. Mais non, c'est. Alors, correctif. C'est une histoire de femmes libres ou pas libres et qui se libèrent. Voilà, c'est une histoire de libération des femmes. Alors, il y en a une qui est particulièrement libre. Et donc, comme c'est dans un petit bled un peu moisi, comme ça, où tout le monde se regarde ses pieds et tout, évidemment, elle fait scandale. Et donc, dès qu'il se passe quelque chose de pas bien, c'est forcément de sa faute. Et comme elle a un langage extrêmement fleuri, qu'elle ne se gêne pas pour insulter les gens, éventuellement, probablement leur foutre des baffes si elle en a envie, et que les lettres anonymes qui arrivent partout... Je crois que c'est dit à un moment. Les lettres anonymes qui arrivent sont absolument abominables. Au niveau du vocabulaire, c'est absolument insensé. Donc forcément, c'est elle. Puisqu'elle a un vocabulaire comme ça. Elle boit, elle va au pub. Enfin, c'est une femme vraiment plus que libre. Et donc, évidemment, c'est elle qui est accusée. Et les policiers qui sont des hommes, vraiment des hommes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'une femme policière, déjà, ça puisse exister. Déjà, les deux mots, femme et policier, ça ne peut pas exister. Donc la jeune policière qui est avec eux, elle n'a pas le droit de se mêler de cette enquête. Voilà. Elle fait le thé quand on le lui demande, voilà, parce qu'elle est bonne à rien. Mais finalement, elle va quand même mettre son nez dans l'affaire et se consume Bodor quand même un petit peu au début. Hein? C'est quand même... C'est pas une grande surprise, on va dire. Mais la façon dont ça se passe, c'est un véritable régal. Ah oui, moi, j'ai trouvé que c'était un régal. C'est un régal absolu. Ah oui, je te l'ai dit. Moi, je dirais pas que c'est un des plus beaux films. Mais c'est un des films les mieux faits et les plus jouissifs. Oui. Parce que ils jouent, mais tous d'une façon formidable. Et... bon, même si on subodore effectivement ce qui risque de se passer, bon, les rebondissements, et puis les seconds rôles, je trouve, les copines de la policière... Oui, elles sont extraordinaires. Extraordinaires. Le père. De la voisine, le père et la mère, il y a des scènes comme ça. Mais là, on le voit le poids de la religion et de la... Ah oh ben non, justement. Eh ben donc, c'est bien ce que j'ai dit, c'est un type abominable. Mais on n'a pas dit... Comme sont tous les hommes de l'époque. Jacqueline, c'est pour rire.
Non, bah non, c'est une comédie. Alors, je suis en comédie, comme personne ne riait dans la salle. Ah si, moi, ça rigolait comme je ne sais pas quoi. Il faut que tu changes de quartier, c'est pas possible. Tu l'as vu où? Où est-ce que tu l'as vu? Moi aussi, et c'était quand? C'était en avant-première. Ah oui, mais là, MK de Beaumarchais, ce qui est drôle, ce qui est bien, justement, c'est de voir comment elle arrive à se libérer enfin de la fin. A envie depuis le début, sans doute déjà ça. Mais elle le lui dit à la fin quand même. Mais c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est le salon le plus fini. Mais elle aussi. Mais ouais. Non. Oh. Mais elle est complètement frustrée, complètement. Mais Jacqueline, tu te rends compte. C'est pour ça qu'elle va foutre en l'air la vie de l'autre. Mais oui, dis pas mais trop, parce que les gens qui l'ont pas vu, il ne faut pas dire. Allez le voir. Allez le voir. Ah oui, c'est un film, il faut absolument le voir. Ah oui. La morale, c'est celui qui a l'air vraiment libre d'une certaine façon. En fait, il est moins atteint que l'autre qui fait à l'église et tout ça. Quoi. Et donc, le pauvre qui est libre, il doit finir sa vie en tôle. Eh ben non. Ben non, justement. Ben non, justement. Non. Mais c'est bien ça. Justement. Vous la trouvez sympa, je la trouve abjecte. Mais elle n'est ni sympa ni abjecte. Elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Elle a été. Mais non, elle a été cassée par son éducation. Avec les parents qu'elle a. Il lui a fait bousiller ses. Sa vie a été fichue par son parent. Et alors, c'est une raison pour s'en inspirer. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. C'est la seule moyen qu'elle a de s'exprimer. Oh mon Dieu. Bah oui. Bah c'est tout. Non, mais c'est vraiment. Mais on dit que les gens très méchants sont souvent des gens très malheureux. Voilà. Oui. Mais c'est vrai. Alors, quand tu es très méchante, si tu es heureuse, c'est pas méchant. Mais elle n'est pas méchante. Moi, pour moi, elle n'est pas méchante parce que elle aime sa voisine. Oui, il y a une dualité. Je pense qu'elle aime sa mère aussi. Je pense qu'elle aime sa mère. À un moment donné, elles étaient copines. Mais oui. Mais elle le sent, on le voit tout le temps. Et jusqu'à la fin, elle regrettait. Exactement, mais absolument. Elle a toujours envie d'aller vers elle. Elle n'est pas méchante. Mais elle écrit aussi. Elle est atteinte. Elle est atteinte, elle est complètement tuée intérieurement par son éducation. Moi, ce qui m'étonne, c'est un détail, mais une policière en 1920, en France, il n'y en avait pas. C'est possible, mais... Je crois qu'elle ne l'était que parce que son père l'était. C'est dit à un moment, il y a un truc comme ça. C'est parce que mon père était policier pendant je ne sais pas combien de temps. Il y a d'ailleurs quelque chose de très curieux, parce que cette jeune femme, elle a soi-disant une nièce. Oui. Et elle dit... Est-ce que c'est sa nièce? Moi, je me suis posé la question. Parce que elle, sans doute... Parce qu'elle dit quand même à je ne sais plus qui, une policière, non, ne doit pas se marier et ne doit pas avoir d'enfant. C'est interdit. C'est interdit à l'époque. Or, on la voit avec cette petite fille et manifestement, ce n'est pas sa nièce, c'est sa fille. Donc, ça la rapproche quand même aussi de l'héroïne qui, au moment du procès, alors là, je rejoins Jacqueline en disant... que le procès, mais c'est une pourriture totale, le mec, qui lui remet entre les gencives, alors dis pas trop pour ceux qui l'ont pas vu. Oui, c'est vrai, on va se taire. Donc, là, je... Alors, vous le recommandez ou pas? Oui, absolument. Absolument. Mais Françoise n'a pas été très, très non plus. Non, parce que c'est une comédie, on peut le voir. Oui, la voir à la fin, j'en avais marre, moi, d'être triste. Pourquoi? Elle sa gueule, quoi. Ah oui, c'est vrai? Ah, j'adore cette comédienne, moi. C'est elle qui joue dans la série Broadchurch, où elle est formidable aussi. Ils avaient glorifié celle qui joue Olivia Colman. Bah c'est elle. Voilà. Ils avaient dit que c'était elle. Le Télérama aussi dit cette galerie de caricatures
vaut surtout pour la performance d'Olivia. Mais les autres, l'autre aussi. Ils sont tous excellents. Le père est excellent. Et les copines. Les copines, elles sont formidables. La vieille qui... Oh, ça mérite plus. Quoi. Moi, j'en mettrais un plus. Voilà, non, elles sont toutes très bien. C'est pas celle qui vend les cochons. Oh, elle est formidable. Mais qui veut son œuf à la coque. Qui veut le œuf à la coque. Allez, on abandonne les cochons. The Sweet East, États-Unis, de Sean Price Williams, avec Talia Ryder, Earl Cave, Simon Rex. Et Eyo Edberry, j'ai mal prononcé. Quelqu'un l'a vu? Bon. Alors c'est un drame. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Le sujet me plaît. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Moi, c'est lui. Alors je lis. Liliane, jeune lycéenne, fugue durant un voyage scolaire. Au fil de ses rencontres, elle découvre un monde insoupçonné, les fractures des États-Unis, filmé comme un conte de fées ou une variation d'Alice au pays des merveilles. Voilà. Alors, moi je l'ai vu, mais je peux être moins causante que. Oui, non, mais ça va bien parce que c'est presque la fin. Donc. Alors, c'est très bien pour voir un peu où je suis pas allée aux États-Unis. J'ai pris mon passeport pour y aller. Je n'ai pas trouvé le moyen d'aller, mais comme ça montre un peu. C'est aux États-Unis, hein, c'est ça. C'est ça. Donc, ça montre un peu cette jeune fille qui. Donc, malgré toutes les sollicitations et tout ça, qu'elle tombe son idée bien à elle, et donc voilà, c'est marqué quelque part. On nous dit une vision hallucinée de l'Amérique, de Télérama. Voilà, je crois que Télérama, c'est aussi pour ça que je suis allée. Festival du film américain. Bon, alors après le dernier film de la semaine. Alors, Tiger Stripes. Alors là, ils sont mis beaucoup pour le faire. Hein. Malaisie, Taïwan, Singapour, France, Allemagne, Pays-Bas, Indonésie, Qatar. Voilà. De Amanda Nel. Obligé de dire tous les noms parce que ça peut être la carte. Qui l'a vu d'abord? Moi. Alors, tu veux le dire? Tu vas te faire peur cette semaine. Franchement, je suis. Oui. Le fantastique. Ah, c'est du fantastique. Oui, alors Zafan, 12 ans, vit dans une petite communauté rurale en Malaisie. En pleine puberté, elle réalise que son corps se transforme à une vitesse inquiétante. Ses amis se détournent d'elle alors que l'école semble sous l'emprise de forces mystérieuses. Comme un tigre harcelé et délogé de son habitat, Zafan décide de révéler sa vraie nature, sa fureur, sa rage et sa beauté. J'ai entendu un critique qui disait que c'était un très bon film. Oui, il a eu le conseil du masque et la plume. Les conseils du masque et la plume. C'est très bien. Donc ça relève le truc de la sexualité, la puberté, la violence interne, aussi les femmes. Et donc, la tendance à. Entre l'humain et l'animal. Donc voilà, c'est un jeu. Donc vous allez le petit, animal. Enfin, c'est un peu. Beau film sur une ado qui s'affirme. C'est un beau film. Allez, moi j'attendais, j'ai dit à François, j'espère que François l'a vu. Alors, oui, c'est vraiment très bien. Et pourquoi c'est fantastique? C'est très bien parce que. Comment dire? C'est cette fille qui découvre qu'elle a des règles. Et donc, elle ne se sent pas pareil que les autres. Donc, il y a le problème de la découverte de des premières règles. Il y a les autres qui agissent d'une certaine façon par rapport à elle. Ensuite, il y a la société qui réagit d'une certaine façon. Et donc, elle, son moyen, c'est de devenir, d'où le titre. De devenir un titre. Voilà. Ah, ouais. Donc, voilà. De trouver en elle la force pour devenir un animal. Voilà. Et alors ces forces mystérieuses qui prennent possession de l'école, c'est quoi? Ces forces mystérieuses qui prennent possession de l'école. C'est un film fantastique. Oui, c'est un film fantastique. Alors la Françoise, de quoi? Mais là, les trucs de l'école, je ne me rappelle plus comment c'est. Ça doit être par rapport à un certain obéissance, je pense. Ah, donc... C'est pas explicité. Non.
Donc tu le recommanderais, ça ne joue que dans 4 salles. Il est recommandé parce que moi, on masque la plume dans les conseils de je ne sais plus lequel. Oui. Et donc, puis j'avais lu quelque part des... Mais il t'a plu ou il t'a pas plu? Oui, ça m'a beaucoup plu. Mais comme scandaleusement vôtre, une nouvelle femme, quelques heures, puis j'ai bien aimé. Enfin, cette semaine, j'ai fait mon temps. J'avais dit, est-ce que vous pouvez voir, j'avais mis 4 films. Combien il y en a vu? Pas tous. J'ai renoncé à certaines choses, c'est toujours un épisode de renonciation pour quelque chose, et voilà. Alors, pour vous faire plaisir, je vais vous dire juste que cinéaste malaise, Amanda Nel, eux, s'est rendu compte que les démons et méchants dans les contes et les légendes populaires en Malaisie étaient des femmes. Voilà. Bien sûr. On n'a parlé que des femmes ce soir. Donc, on a épuisé l'ordre du jour, si je puis dire. En Malaisie ou en France, on a eu. On a épuisé. Donc, nous allons. Toutes les nouveautés ayant été passées en revue, la séance est terminée. Nous espérons que cette causerie vous a intéressé, donner envie d'aller au cinéma, voire de nous rejoindre si vous êtes senior du 10e arrondissement ou retraité parisien, de notre mutuelle. Un grand merci à Paris Anime Charles Boulandeau, à son directeur Eric Fusberg et à l'équipe, notamment Stan, Pablo et Jérémy, et les 4 stagiaires. En formation audiovisuelle en classe de première du lycée Gustave Ferrier du 10e, ces 4 stagiaires, Abdou, Nathan, Eric et Moussa. Merci. Merci beaucoup. Merci.